Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 14e épisode sur The Last of Us Part 2. Et regardez-moi ces décors, c'est assez incroyable. Bon allez, on quitte le mode photo tout de suite. J'espère que vous allez bien et que vous êtes très très contents comme moi à l'idée de continuer ce let's play. Alors on va refouiller juste cette salle-là. Au moment où je vous parle, on a appris une très grande nouvelle pour le jeu. C'est qu'en l'espace de 3 jours, il a fait 4 millions de ventes. Donc ce qui est assez énorme. Ça en théorie, je vous l'avais déjà fait lire dans l'épisode précédent. N'hésitez pas à mettre la pause. Voilà. J'avais dit que c'était débile de s'excuser d'être malade. Mais bon, 4 millions, c'est un truc assez conséquent. Meilleur lancement d'une exclusivité PlayStation. C'est encore plus fort. Franchement, les derniers jours, j'étais un peu en mode dégoûté parce que le jeu, je le trouvais un peu long et pas très très bien rythmé à certains moments. Et malgré les effets de surprise, hein, comme avec Jesse, des trucs comme ça. J'étais vraiment en mode ouais, bon, il serait temps d'accélérer. Et je sens que dès que ça va partir l'histoire, je vais être en mode putain, là je suis pas bien, ça va trop vite pour moi. Je le sais déjà. C'est parti. Mais en même temps, c'est ce que je demande aussi. J'ai hâte d'être en mode bouleversé. Son amour est partout. Ah oui, donc il faut que je refasse Non tout mais en fait. sérieux. D'accord, t'es comme ça toi. Tiens, bon, on va lire la nouvelle entrée, comme ça va m'échauffer aussi. Alors. Son amour est partout, putain, mais c'est qui ces gens? Pourquoi ils font ça? Ah oui, donc on est au Séraphite, certes. Certes. Bon, là, j'ai rallumé mon micro, j'y ai pensé. Des fois, en fait, je vous explique, tout calmement. Des fois, j'ai besoin de couper mon micro. Quand c'est pour tousser ou des choses comme ça, pour réajuster mon micro, par exemple, là. Là, je le réajuste et du coup, en théorie, vous n'avez pas eu le désagrément sonore. Putain, qu'est-ce que c'est beau. Quand on aura le remaster sur PS5, oh, qu'on va être kécho, mon gars. On va être kécho. Mon gars et ma copine. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Ah, des spiritueux. Parce que, oui, on peut rentrer. Oh, on va peut-être pas rentrer par là. Ah d'accord. Ouais, c'est la merde. En fait, je pensais pas qu'ils allaient casser la fenêtre. Enfin, tu me diras, c'est logique, hein. Putain, c'est la merde. Ah là là. J'avoue que je sais pas trop quoi faire. Bon, voilà. Regardez, c'est trop stylé. Attends, on va le garder. Il va vite quand même, hein. Putain. Ah bah il est mort. Eh, c'est pas les zombies de The Walking Dead, ça, hein. Eh ouah. Putain, il est mort. Je voulais le garder un petit peu. Mais bon. Visiblement, même les claqueurs sont sensibles aux hémorragies. Ce qui est, ma foi, rassurant. Ah, il avait une note. Jisoo Hong, André Dominguez, Chris March. Ok. Mais qui, en vrai, Intéressant. ce Isaac, je sens qu'on va le rencontrer et que je vais pas être bien. Mais genre vraiment. Ah, je sens qu'on va pas trop kiffer le rencontrer. Ça, c'est moi qui ai fait ça? Putain, incroyable. J'ai vraiment. Ah oui, c'est l'explosion. Putain, c'est bien fait. Waouh. Et je me suis amusé, j'ai regardé une vidéo genre où il n'y avait pas trop de spoil, mais un petit peu. Genre le mec qui faisait le récapitulatif de tous les détails graphiques. Et c'est genre trop cool. Il n'y en a pas beaucoup qui m'ont impressionné. Mais la plupart, c'est genre des trucs bien pensés en soi. T'es en mode, ah ouais, c'est cool qu'il l'ait fait. Et c'est vrai en soi.
Putain, en fait, on pouvait pas rentrer ici sans casser une fenêtre. Ouais, voilà. C'est ce que je me disais. Bon, alors, on est dans le bar. Il est grand, hein, quand même. Putain, je sais pas combien il y a de place, mon zouz. Mais c'est assez conséquent. Alors. Petit molotov. Au niveau soin, on n'est pas trop mal. En plus, on en a deux. Au niveau de mon arme de mêlée, ça va aussi. Au final, on n'utilise pas souvent le cran d'arrêt. Est-ce que c'est un bon signe? J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout parce que si ça se trouve, ça peut nous sauver la mise à tout moment. Mais j'ai juste l'impression qu'on est tellement vulnérable à cause de la portée. Donc bon, à choisir, je préfère avoir une lame un peu plus longue qui a beaucoup plus de range plutôt que un petit coutal, certes, qui se casse pas du tout, mais qui nous met aussi fortement en danger. Bon, il n'y a rien ici dans cette kitchen. C'est Hell's Kitchen ou quoi? Référence au quartier de New York. Enfin, t'as compris normalement. Si t'as un minimum de culture. Allez! Encore? Non, on va faire ça. Ah bon, on va faire ça aussi. Et en vrai, j'ai confondu les bombes étourdissantes. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Et justement, les mines de proximité. C'est pour ça que je l'ai posé et je me suis dit, mais c'est bizarre, elle veut pas lancer directement sur l'infecté. Et après, je fais, ah ok. Au moment où ça a explosé, je me suis dit, ok, on est peut-être sur un game over en début de vidéo. Mais bon, c'était pas le cas. On a de la chance. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a? Simba aussi. Bon, je suis assez chaud aujourd'hui. Ah, bien vu ça. Et j'ai vraiment l'impression que, vous savez, j'avais raté un petit passage avant la station télé. Et j'ai l'impression que dans cet endroit, il y avait potentiellement, mais alors avec des gros guillemets, une arme. Je pense qu'on a raté une arme. Bah, involontairement du coup, mais bon, quand même. Ça fait un petit peu chier. On n'a rien ici. On n'a rien ici, ouais. Ok, on continue. Je sais pas, quand j'ai lancé le jeu, il y avait écrit chapitre Séraphite. Donc je pense qu'on va pas tarder à rencontrer bah, des humains, tout simplement. Ça peut être cool. Ok, c'est bon. Mais attends, nous on vient de là ou quoi? J'ai l'impression de venir d'ici. C'est très étrange comme sentiment. Ah, bah ça c'est sûr qu'on vient pas d'ici. Hein. Cool. S'il y a des munitions. Combien de wolves dans cet hôpital. Bah, en vrai, les wolves, pour qu'ils soient crédibles, faudrait qu'ils soient au moins encore 45, tu vois. Parce que on en a battu quoi? Peut-être entre 30 et 25. 25 et 30. Donc pour que ce soit vraiment crédible qu'ils aient mis à sac toute l'armée et qu'ils aient repris Washington, en vrai il faudrait que, ouais, qu'ils soient encore un certain nombre. Du coup ça va être compliqué pour moi, pour nous, pour notre aventure. Mais il le faut. Il le faut pour que ça reste crédible en fait. Hein. Tiens, c'est ouvert ici. Est-ce qu'on n'est pas loin de la crise cardiaque encore une fois? J'aime pas trop rentrer dans les réserves, j'avoue. Vu que c'est des pièces sans issue la plupart du temps. Enfin, c'est des dépôts quoi. Genre, pour pas te faire voler la marchandise, en théorie, tu mets pas de feu, pas de fenêtre. Bah, y a pas de fenêtre d'ailleurs dans cette salle de pause. Je sais pas si c'est aux normes, hein, votre truc. Normalement, il faut avoir au moins une fenêtre, un truc comme ça. Mais bon, c'est pas très très grave. On n'est pas là pour critiquer le mobilier urbain. Bah, je vais où? D'accord, c'est là. Ouais, ça a l'air d'être là. Mais non, attends, on vient d'ici. Putain, je suis perdu. Si on peut pas faire demi-tour, si on peut pas venir ici, c'est que c'est bel et bien un demi-tour inutile de ma part. Allez, on continue. D'accord. J'ai été bloqué par une feuille. Mais on va quand même se mater les détails parce que nous on est là pour kiffer. On n'est pas là pour finir le jeu rapidement. Hein. Normalement, en théorie, cet épisode sera après le 13 juillet. Donc
Ça fera bientôt un mois que le jeu est sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Donc vous voyez qu'on n'est pas là pour faire la course. On est là vraiment pour kiffer. Ah bah oui. Même j'avais dit ici... Ouais, on avait regardé les panneaux et tout. Ok, c'est bon. Ok, donc vous vous calmez parce que je me rappelle. C'était il y a quelques jours pour moi, ça doit faire au moins... Ouais, peut-être 2-3 jours que j'ai pas joué. Donc il faut que je me rappelle de tout. Il faut que je me rappelle aussi de rallumer mon micro à chaque fois. Le truc c'est que si je dois jeter un petit coup d'œil pour vérifier tout le temps, on n'est pas sorti de l'auberge. Surtout en plein fight, ça peut être assez chaud. Mais relève-toi. D'accord. On essaye toujours d'aller au Havre, il me semble. Haven. Haven, c'est Havre. Ok, ici on a un petit camtar. Bien posé. C'est pas un bâcher et puis lapis. C'est un fourgon. C'est peut-être un frigo même. Enfin, on dirait pas, mais... Ici, c'est quoi? C'est pareil. On va encore fouiller, hein. Je suis désolé vraiment de vous imposer ça. Mais c'est une mécanique fondamentale. Parce qu'à la zone précédente, à la zone centre de la ville, donc centre-ville, j'étais vraiment dégoûté de pas avoir pu tout fouiller. Et donc du coup, j'avais raté tout un pan de la map. C'était trop dommage. Donc j'aimerais bien ne pas réitérer la même erreur, si vous voyez ce que je veux dire. Le truc, c'est que bah, y a rien qui m'indique par où je vais. Du coup, il se peut que parfois, je lance une cinématique. Tu vois, là. Est-ce que ce serait ici? J'ai pas l'impression que ce soit un hôpital, ce truc. En vrai, c'est assez grand. On peut escalader ici. Si on peut ouvrir ce portail, peut-être. Oh, merde. Faut que je rentre là-dedans. C'est ça le truc. Peut-être que l'hôpital est ici. Ou peut-être que c'est cette structure-là. J'en ai aucune idée. Et donc, attends. Release. Ok, non, ça c'est juste des locations. Des locations, voilà. Oh, ça veut pas. Mais merde, comment on fait? Puis là, on peut pas péter les fenêtres du coup. Ok. Peut-être le sous-sol. Eh ouais. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Ça m'étonnerait que ce soit la suite de l'histoire ici. S'il faut vraiment passer par là, à mon avis c'est plutôt des trucs bonus. Des trucs à fouiller. Ah, fais un petit demi-tour. Merci. Merci bien. Et regardez, j'ai découvert ça. Quand on monte les escaliers à l'envers. D'accord, elle le fait pas. Bon bah, dans la vidéo de détail, j'aurais regardé où est-ce qu'elle met les pieds. J'ai peur. Mon pompe est beaucoup trop loin à mon goût. Et d'ailleurs, on va prendre l'arc. Parce que en soi, c'est une arme assez discrète. Ça peut être cool. Ça ressemble pas à un hôpital, donc c'est bon pour nous. Ça, c'est nickel. Tiens. Vraiment, c'est au cas où si on doit s'échapper très très vite. Ce qui est le but de s'échapper au final. J'avoue que le concept est assez respecté là-dessus. Ouais. Alors, petite pause, attendez. Puisque vous le savez, maintenant on est en été. Hein. Et ben, il se trouve qu'il fait pas si chaud que ça. Et dormir avec la fenêtre ouverte, ça a été un mauvais plan. J'ai un petit peu la gorge chargée. Plus que de base. Du coup, bah, je suis obligé de... Oh, c'est beau ça. Putain, j'ai presque le même cadre chez moi. Mais moi, c'est avec de la fumée. C'est Smoky Space Needle. Ok, c'est beaucoup trop grand. Je sens qu'on va se prendre un petit jumpscare. On va pas faire les rigolos. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une chaîne Ifi. Je crois que c'était genre un petit hôtel de culte. Et j'ai hâte de recevoir, putain, ça j'ai hâte, vraiment de recevoir la figurine Dark Horse de Ellie avec une machette. Je sens qu'elle va être bien stylée et bien plus
que celle qui est dans l'édition collector. Il y a des provisions partout dans cette ville. Celle de l'édition collector, faut pas se mentir qu'elle est bien dégueulasse. Et je sais que... Non, je sais pas ça. Je sais pas si c'est la même boîte qui fait... Il y a trois figurines. Il y a celle de la collector, celle avec la machette et l'autre avec un arc. Celle avec un arc et celle avec, avec la machette, c'est vraiment les plus belles à mon goût. Mais alors celle de l'édition collector... Pff, certes, tu la payes pas cher parce que... Attends. On va faire ça après. Certes, tu la payes pas cher parce que ça fait partie d'un truc... un pack. Un pack de bits. Mais bon, les mecs, le visage... T'as l'impression qu'Ellie elle s'est pris un camion 6 tonnes là. C'est assez terrible. On va s'améliorer l'arc en priorité. Putain. Céleste, on y retournera pas, c'est clair. Lâche-moi. Mais t'es qui toi? Merde. Elle a plus rien, foncez. Ah ouais, c'est la merde, non? On y retournera. Ah ouais, mais non, mais là t'as raison pour le coup. J'ai plus rien. Il est où? C'est bon mon gars. Vas-y, sors. Sors. T'es mort? T'es pas mort? Oh toi. T'en veux d'autres? Non, c'est fini. Oh putain, et... Putain. Vous voyez, je vous avais dit que ça allait arriver tôt ou tard. Par contre, qui est Isaac? Ça, à mon avis, on se rapproche de plus en plus de savoir qui est ce gars-là. On va créer des munitions. Oh la vache, il m'a mis chaud, hein. Surtout que j'ai aucune munition, presque. Bah, j'ai plus rien, maintenant. Si, j'ai 2 balles. Voilà. J'ai Jamel 2 balles. Elle était bonne, celle-ci. J'ai 5 flèches. 3 munitions de fusil là. Bon, maintenant on peut s'améliorer. Allez, t'imagines les gros lourds ils font une deuxième fois en mode bah vas-y. On va prendre ça. Hein. Vous avez vu à quel point c'était la merde pour bander l'arc. Alors, on va mettre une corde plus solide peut-être. Putain, les détails. Elle fait vraiment toute l'animation. Bah ça a l'air d'être tout. Putain. On peut pas s'améliorer grand chose à la fois. C'est vraiment cher payé. Mon cher pays de mon enfance. Alors. Ah, c'est toi qui as pris cher, hein. Oh, regardez ses yeux. Attendez, on va. Ah. Elle a succombé. Lui il avait une calvitie. Donc de toute façon il méritait. Je l'ai plus libéré qu'autre chose. Par contre les flèches, ouais c'est dommage. Putain, c'est bien fait. Et c'est vrai que je lisais aussi un article, parce que je suis hyper renseigné sur le jeu, qui disait que en gros c'était violent, ouais, mais moins que certains d'autres jeux. Le truc qui faisait toute la différence en fait, c'est le réalisme graphique. Et je suis tombé tout à fait d'accord avec cet article là. En mode tout ce qui est animation faciale, c'est tellement réussi que ça pousse justement l'immersion et ça te donne encore plus d'impact sur ce que tu fais. Alors, coucou Melissa. J'ai essayé au cas où tu déciderais de te joindre à nous finalement. Ok, sympa. C'est qui nous écrit? Ah, c'est Jiso. Oh, Jiso. On m'avait prise pour une wolf. Mais c'est pas pour toi à la base. La meuf, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Intéressant. Pas mal ça. On va tout ramasser. Peut-être que j'aurais dû crafter après avoir tout fouillé. Ça, je vous avoue, my bad. Mon mauvais, comme on dit chez nous. Ok, vas-y. Charge-moi ça. C'est long, hein. Au moins, ça change de Resident Evil 2 Remake. Où t'as Jill qui met toutes les balles, genre en mode. Dans le lance-grenade, elle t'en met 6. Même si t'en as que une. Du coup, tu te payes l'animation complète. C'est assez lourd, je l'avoue. 97! Mais non. 107!
Ah ouais. Et là, on peut se mettre quoi? Rapidité, confection de fumigène, silencieux, vitesse de déplacement. Ah, je sais pas. Ça peut être cool. Ça coûte que 20, 30, 40. Bah, on est bon en fait. On peut se prendre tous les trucs que j'ai prévus. Et après, on aura rayon de l'explosion, 50% de portée. Ok, c'est assez étrange. Dans précision. Ah non, remarque, ça fait sens. Le mode écoute a sa place dans plusieurs arbres de compétences. C'est crédible, ma foi. Voilà, j'ai une flèche explosive. J'ai intérêt à bien la faire. Par contre, attends. Si on peut vraiment pas changer de mode de munition en plein combat, ça va être la merde. Ok. Donc, on a fait un Faut que je étage. sois plus vigilante. Ouais, parce que là, non, mais par contre, il n'y avait aucun moyen de le savoir. Hein. Le mec a fait aucun bruit, ils étaient 6. Encore verrouillé? Merde. Merde alors. Puis j'ai pas l'impression que je puisse passer par. J'ai menti. Je peux passer. Ah, faut que j'arrête de dire des. Eh, mais là aussi je pouvais passer. Pensez qu'il y a un truc? On va aller voir. Juste pour l'anecdote, hein, pour dire qu'on a essayé. Ouais, bon. C'est pas grave, ça nous fait un petit entraînement. Et j'ai vu qu'on pouvait s'entraîner aussi à la guitare. Faudrait que je le fasse un de ces jours. Puisque je le fais jamais. Et c'est vrai que c'est un truc qu'ils ont mis dans le jeu, ils étaient pas obligés. Donc j'aimerais bien pouvoir m'entraîner, entre guillemets. Je serais jamais Kurt Cobain, mais bon. C'est quand même pour le beau jeu, tu vois, pour dire que je l'ai fait. Peut-être que ça va débloquer un trophée. Peut-être pas. Ok. Ah, voilà. Un petit thermos, on a ramassé là. Pedra. Ah non, Phédra. Préparer nos bagages. Ah. Ah ouais, donc en fait, Hélène. Hélène, j'aime bien quand c'est écrit. Avec cette orthographe. La Fedra, ils ont vraiment merdé de ouf, quoi. Ils ont fait en mode communiste. Et à la fin, ils se sont fait défoncer par les wolves. C'est assez terrible, leur histoire. Il y a un truc qui va surgir de là. Ah merde, non, j'ai pas le code. Attends. Attends, 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 attends. Qui range son code? Ok, j'allais dire qui range son code dans sa table de nuit. Ça aurait été beaucoup trop beau. Ça doit être sur le calendrier. Voir un peu. Examen de santé. Donc 4, 8, 24. Un truc du genre. Il y a un truc qui il se passe. Il se passe un déménagement près de chez moi, mais j'ai un peu peur d'un truc. Parce qu'il y a une dame près de chez nous qui est assez malade. Et j'ai peur qu'elle soit décédée et que ce soit des gens qui emmènent les meubles. D'accord, c'est pas Merde, ça. c'était quoi déjà? Bah peut-être 8, 4, 24, même si j'en doute. D'accord. Donc 24. On va tout essayer de toute façon. 24. 4. Bon, je ferais mieux de vérifier le code. Non, 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 on va y arriver. Hop. Bon. On va vérifier le code. On va relire le truc et en même temps je vais prendre ça. Fais-moi voir. Octobre. 30e anniversaire. S'il a 30 ans, me dis pas qu'on va devoir faire 2013 moins 30. Bon, si on va le faire. Je vais le faire à la calculette parce que je suis une merde. Voilà, ça tu peux le dire. Tu peux déjà effacer ton commentaire que tu pourras pas mettre. Alors, 2013, moins 30. Donc c'est 83. Putain, il est vieux! Waouh! Et mais il doit être encore plus vieux maintenant. Donc on se fait quoi? 8, 10, 83.
peut tenter ça. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8, 13. 83. J'y crois pas du tout, hein, mais. Je croyais que c'était ça pourtant. Là, c'est chiant. Donc, 0, 8. 83. Mais je l'ai pas déjà essayé, ça. Ok. Va comprendre. Ok, bah, des munitions. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Non, non, on prend, on prend. Y'a pas à dire. Y'a pas à dire, y'a pas à dire. Bon, j'ai l'impression qu'on peut ressortir carrément de ce bâtiment maintenant. Qu'est-ce qui a fait ce bruit là? Qui c'est? J'ai entendu un bruit. Non, ça a l'air bon. Ok. Et ben, à mon avis, l'objectif c'est l'autre bâtiment. Mais vous savez quoi? On va s'arrêter ici pour ce 13e épisode. J'espère qu'il vous aura... 13e? Non, 14e épisode. Ouais, en plus c'est écrit 14 minutes, reprendre au point de contrôle, c'était un petit signe. J'espère que vous aura plu, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous surtout. Activez la cloche, oui ça m'essouffle à chaque fois que je le dis, mais activez la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très très vite, merci d'avoir regardé, ciao ciao.